Le système sonore arrière constitue une aide au stationnement qui émet une tonalité pour aider le conducteur à détecter les obstacles à proximité des pare-chocs arrière. Le timbre sonore devient plus rapide au fur et à mesure que vous vous approchez de l'obstacle et retentit en continu, et un témoin s'allumera dans l'écran de caméra tandis que l'obstacle se rapproche du pare-choc arrière. Le système sonore arrière s'active automatiquement lorsque le levier de vitesse est en position marche arrière et que le contacteur d'allumage est à la position démarrage. Pour activer ou désactiver le système, appuyez sur la flèche vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce que le menu réglage s'affiche. Appuyez sur la flèche vers le haut ou le bas pour sélectionner « Aide à la conduite », puis appuyez sur le bouton « OK ». Ensuite, sélectionnez « Aide au stationnement » et appuyez sur le bouton « OK ». Maintenant, sélectionnez « Capteur arrière » et appuyez sur le bouton « OK » pour activer ou désactiver le système sonore arrière. Sélectionnez « Portée » pour modifier la distance du système en loin, moyenne ou proche. Les capteurs du système sonore arrière se trouvent sur le pare-choc arrière. Assurez-vous de les garder propres et exempts de neige, de glace et de saleté. Le système risque de ne pas détecter les objets à des vitesses supérieures à 10 km/h. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système, et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.